Bonjour les amis, que voulez-vous faire aujourd'hui? Vous voulez construire un vaisseau spatial? Ok, commençons! Ces matériaux sont vraiment gigantesques et lourds, n'est-ce pas? Ed, est-ce que tu as quelque chose qui pourrait nous aider? Super! Waouh!
Maintenant, les matériaux sont plus petits et plus faciles à soulever. Bon travail, Ed. C'est bien, Charlie et Billy. C'est presque fini. Waouh, c'est trop tôt, Ed. Faites attention, les amis. Ne la laissez pas tomber. Parfait. Ok, Ed. Maintenant, tu peux lui faire retrouver sa taille normale. Les fusées sont sur la rampe de lancement, mais il manque encore quelque chose pour monter à bord. Ça a l'air super. Oh, je pense que tu dois faire rétrécir cette pièce. C'est beaucoup mieux. Plus que quelques éléments et ce vaisseau spatial sera prêt à s'envoler. On dirait que vous êtes prêt à partir. Amusez-vous bien, faites attention. 3, 2, 1, décollage! À bientôt les amis! Bonjour les amis, est-ce que vous êtes prêts à passer une super journée sur le circuit automobile? Ed le tractopelle, Billy le bulldozer, Charlie la grue. Aujourd'hui, nous devons préparer la piste pour la grande course. Que devons-nous faire avec tous ces pneus? J'ai l'impression que nous devrions les aligner le long de la piste. Billy, tu peux donner un coup de main à Ed pour transporter les piles de pneus autour de la piste? Tu peux prendre toute une pile de pneus dans ton godet. Mais lui, il ne peut en prendre qu'un seul à la fois. Ed, nous devons tous les installer avant de pouvoir mettre les grandes barrières. Au travail, Billy! Tu peux mettre les barrières en place pendant qu'Ed continue à s'occuper des pneus.
dirait que Billy est en train de faire une pause. Qu'est-ce que tu fais, Ed? Tu veux changer la forme des pneus de Billy? Tu es sûr qu'il va pouvoir rouler avec des roues carrées? Je ne crois pas. Et celui-ci? Un hexagone? Ne t'en fais pas, Billy. Charlie la grue va nous aider. La roue ronde fonctionne bien mieux. Et maintenant, il est temps de se remettre au travail. Je crois que nous devons placer beaucoup plus de pneus autour de la piste avant de pouvoir l'utiliser. Et Charlie a aussi tout un tas de lourdes barrières en béton. Où va-t-on les mettre? Oh, c'est pour l'intérieur de la piste. Super travail! Plus que quelques-unes. Une de plus, et nous avons terminé. Et maintenant, nous pouvons l'essayer. Tout le monde sur la ligne de départ. 3, 2, 1, partez! Bravo, Charlie! Un départ sur les chapeaux de roue. Allez, Billy et Ed, vous pouvez le rattraper. Waouh! Regarde-moi ça! Vous l'avez dépassé tous les deux. Il faut bien négocier le virage. Et je crois qu'Ed est en tête. Nous approchons de la ligne finale, les amis. Et regardez-moi ça. Charlie et Billy font une accélération. Wow! Quelle arrivée! Vous vous êtes bien défendu. Et maintenant, les vainqueurs. À la troisième place, Ed, le tractopelle. En seconde place, Billy, le bulldozer. Et le grand vainqueur, à la première place, est Charlie la grue. À la prochaine, les amis. Thank you.
Bonjour Charlie et Debilly. Prêts à s'amuser? Aujourd'hui, nous allons faire un camion de bonbons. Commençons par trouver toutes les pièces. En premier, nous allons avoir besoin de 4 roues. Bien joué! Nous avons maintenant besoin de portes et d'étagères pour l'intérieur du camion. Joli travail, les amis! Charlie a trouvé les portes arrière! Ed, peux-tu les installer? Charlie peut maintenant s'occuper des présentoirs qui vont sur les côtés. Ça commence vraiment à ressembler à un camion de bonbons. Mais il nous faut des bonbons pour le remplir. Beau travail, Ed. Billy, as-tu besoin d'aide? Merci, Charlie. Ça a l'air vraiment appétissant. Mettons les bonbons dans le camion. Il nous en faut des comme cela, bien sûr. Parfait. Ça fait beaucoup de sucre d'or, Charlie. Est-ce qu'on aura assez de place? Excellent! Il rentre parfaitement sur les présentoirs à l'intérieur. Plus que quelques-uns à charger maintenant. Ça y est! Le camion de bonbons est fin prêt. À la prochaine!